Salut tout le monde, c'est Fane, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Unravel et je suis déjà dans le niveau qui s'appelle Dans le Trou, donc je ne ferai absolument aucune allusion sexuelle à ce titre de niveau, voilà, mais j'étais obligé de le... En fait si vous voulez j'ai lancé un premier enregistrement, mais je sais pas pourquoi, il y a eu une espèce de bug d'image, je croyais que ça venait de... Enfin que c'était mon enregistrement qui buguait, et pas du tout, ça vient de... Enfin ça vient de mon logiciel, mais sur l'enregistrement ça fonctionne nickel, donc j'espère que ça va durer, et bah on va faire le niveau tranquillement, et puis si jamais ça fonctionne pas, bah je le referai, et puis tant pis quoi. Enfin bon, c'est parti alors. Ah je vérifie, ça bug pas mal sur mon écran, mais bon. Normalement ça devrait le faire, ça devrait tenir. Il fait pas très beau. Non, c'est pas top, là, il pleut un petit peu. On a vu mieux. Oula, ouais. Il y a même de l'orage, en fait. C'est bon, on est sur une route, là. J'ai eu extrêmement peur. Eh, heureusement, il n'y avait pas la webcam, parce que je pense que vous seriez foutu de ma gueule, là. C'était assez épique, ma réaction de merde. Oula, j'ai plus de ficelle. Ah oui, c'est peut-être parce qu'il faut que je monte en récupérer ici. Hein. Ça serait peut-être un peu plus logique. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Putain, notre petit Yarny, il est assez trempé là. C'est pas top, hein. Il doit se cailler les miches. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé là? La police l'emmène? What? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une bêtise, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, j'ai compris. I understand what we need to do. Regardez, cette façon on pourra pas l'avancer, ça c'est quasiment... Ah si, ah, peut-être qu'on peut l'avancer en fait. Peut-être que je vous dis une bêtise. Non, je peux pas. Hein. Je réfléchis. Là on est d'accord, je peux pas le bouger le machin. Bon j'ai peut-être loupé un truc en arrière. Ah mais regardez, j'avais pas vu là-haut. Ah mais quel débile. Regardez. Eh je suis vraiment un gros con des fois. Ok bon, là ça devrait mieux fonctionner tout de suite. Je suppose qu'il va falloir faire un nœud ici et l'autre côté pour nous servir de trampoline. Hop. Voilà. Et maintenant... Voilà. Bon, ça fonctionne tout de suite un peu mieux. D'accord, et maintenant? Que dois-je faire? Par là. Allez, balance-toi, Tarzan. Ok, danger de mort. C'est passé crème. C'était limite, mais c'est passé. D'accord. Oh. Je suis sûr il y a un truc à faire avec le bidon, non? Même pas? Bon. Quel est cet endroit? Très étrange. C'est plutôt pollué par ici, hein, dites-moi. Mince, je peux pas aller plus loin. Peut-être pour ça. Hein. Ah mais là je pourrais pas passer, faut que je remonte là-haut. Parce que je suis en train de perdre de la laine pour rien. Mais l'orage, c'est violent un peu là, hein, ça se calme. S'il vous plaît. Ça bug toujours sur mon écran. J'espère que ça va vraiment pas bugger, j'aurai vraiment les boules sinon. Même si pour le moment c'est pas très très compliqué en soi. Ok bon. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Nouveau souvenir. Ah ok, des mecs qui... Ouais ça doit être des bidons radioactifs ou je sais pas quoi là, leur connerie là. Pas l'air très très plaisant tout ça. Ça a l'air vachement pollué surtout. Ok, j'ai peut-être pas besoin de faire de nœuds ici. Bah si, qu'est-ce que je vous dis. Hey. Peut-être en sautant, je sais pas. Non. Non, il va falloir que j'amène la bouteille. Comment, je ne sais pas, mais il va bien falloir que je l'amène cette petite bouteille. Comme ça, d'accord. Ok, c'est juste moi qui suis débile. Hop, voilà. Ok, nickel. On va pouvoir la faire passer pour ensuite remonter sur cette petite plateforme. D'accord. Ça va pour le moment. C'est pas hyper compliqué.
Enfin, pour le moment. Hop, allez, accroche-toi. Ouais, on va attendre ici. C'est pas une bonne idée, on est d'accord. Hein. Non, c'était pas une bonne idée. C'est bien ce qui me semblait, mais bon. Ah, sérieux, faut que je repasse ici? Ok, j'ai enfin réussi à passer ce niveau. Pourtant, c'est tout bidon, hein, c'est tout pété, mais... Je sais pas, j'ai galéré. Bon, au moins, on l'a passé, c'est pas très grave. Allez, monte. Et qu'est-ce que tu fais, là, Yarny? Ok, bon, au moins, on a un checkpoint ici. Oh, ouais? Ah, c'est sympa, tout ça. Ah ouais, c'est... Ouais. Sympathique. Là, je vois qu'il y a un truc, là. Il y avait un bout de ficelle, je sais pas. Je pensais qu'on aurait peut-être pu le récupérer. Je sais pas comment faire. Je sais pas. Bon bah tant pis. C'est très radioactif tout ça. Dites-moi. C'est vachement plaisant, hein. Non, je pourrais pas passer par en dessous, ça c'est sûr. Ah, je sais ce que j'aurais dû faire. Ouais, non, là ça va pas. Ouais. Ça va être un peu compliqué si je meurs. Je sais ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut rester sur les bidons et sauter derrière. Non. Un peu comme ça, peut-être. Voilà. Ok. Je vais pouvoir récupérer la petite pièce ici. C'est vachement pollué, en tout cas. Le bidon. Ah oui, la bouteille. Il va peut-être falloir que je m'en serve pour monter les trucs. Même la bouteille, j'ai pas trop envie de pousser ça, à vrai dire. Quand on voit la gueule du machin, c'est pas très propre. Dans le trou, c'est peut-être pour ça, en fait. Hein. Dans le trou, je sais pas. Ouais. Allusion, pollution, etc. Malheureusement, plus ça, plus ça devient comme ça. Hein. C'est pollué de partout. C'est dommage. On va passer par là. Je vais pas pouvoir passer par là. Il faut que je me balance. Ok, on va se balancer. Allez, hop, c'est la bonne. Nickel. D'accord. Ouais, mais le checkpoint, je l'ai pas eu, moi. Peut-être que je l'ai, le checkpoint, non? Je manquais un peu de ficelle, sinon. Voilà. Allez, monte doucement. Je suppose que c'est des pluies radioactives aussi, là. Pour rester dans le thème. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Je crois avoir compris. Faut que je fasse monter la bouteille. Ouais, ça va être un truc comme ça. Hein. Je pense. On va essayer ça. Voilà. Ouais, je vous dis, j'aime pas trop pousser ça. Il y a un gros X dessus qui veut dire danger, là. Ça me plaît pas trop. Oh la vache. D'accord. Je pense comprendre ce qu'il faut faire. Surtout pas ça. D'accord, merci Thomas. Toujours là pour faire de la merde. Ok, bon. On va reprendre. Hop. Ah non, ça y est, la bouteille est déjà tombée. Bon, c'est pas plus mal. Ça nous évite de refaire ça. D'accord. Mais la bouteille n'est absolument pas stable, en fait. C'est un peu le problème. C'est que la bouteille, elle tient pas, là. Ah, elle tient pas du tout. Faut peut-être que je m'accroche là-haut aussi. Ça sera peut-être mieux. Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Juste de la logique, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, non, c'est bon, ça tient. J'ai pas très envie de traîner ici, moi. D'accord. Et maintenant? Peut-être un truc comme ça. Est-ce que je peux tirer ça?
sais pas si ça fait quelque chose, mais bon. Peut-être. Non, pas grand chose, hein. Par ici, qu'est-ce qu'il y a? Un cadenas, d'accord. Alors, du coup, que dois-je faire? Peut-être juste me balancer, je sais pas. Paraît bizarre. Ah, si, regardez. Reste de l'autre côté, reste de l'autre côté. Ok. D'accord. Ça aurait été con que tu te noies quand même, mais... On va se la jouer safe. Même si je vous avoue que de respirer tous ces gaz toxiques, je pense que ça va pas vraiment me réussir. Après, je me trompe peut-être, mais... Comment je fais pour la récupérer? Je pense qu'il faut juste que je monte. Non, même pas. Allez, on va se balancer. Peut-être que c'est ça. Je pense pas, mais... Non. Qu'est-ce que ça peut bien être? Peut-être se balancer là-haut? Ok, j'ai manqué de me cramer les bouts de ficelle. Ouais. Peut-être que je remonte le bout de bois, je sais pas. J'ai peur de me cramer. Non, c'est bon, regardez. Nickel. Ok, une pièce de plus. Ah, ça brûle. Je vais me faire cramer, les gens. La pièce a été ramassée, c'est bon. D'accord. Oula. Va pas trop vite, mon petit. C'est pas ce qui t'attend par là. Ouais. Wow, 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 wow. Calme-toi, calme-toi. D'accord. Ouais, ça, ce glissement de terrain, tout ça, ça me plaît pas trop, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 je suis pas d'accord. Non, non, j'étais pas d'accord dès le début, moi. Ça me plaisait pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous pensez que je peux sauter direct sur l'autre plateforme? Juste faire comme ça, peut-être. Ok. Je pense que c'est ça. Maintenant. Oula. Ouais. D'accord, ça va, j'ai atterri sur du dur. Oh, Yarny, il est pas très jovial. Il aime pas trop. Je le comprends, c'est pas top. Oh là là, mais c'est la merde ici. C'est la merde incarnée, c'est pourri de partout, sérieux. Les mecs, qu'est-ce que vous avez foutu là? Bon, il doit y avoir moyen de monter là-dessus. Je sais pas ce qu'il y a, mais bon. Il doit bien y avoir quelque chose quand même. Ouais, c'est peut-être pas ce que je voulais faire, mais... Bon, on va essayer de voir quand même. Ah bah regardez. Ça a l'air de correspondre, hein, ma foi. Bon, bah on retourne par là, on va voir ce qu'il y a. Ah oui, super. Ok. Ok. Et ça, ça fait quoi, ça? Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi? Ah oui, non, pas ça en tout cas. J'aurais peut-être juste dû pousser la boîte avant. Ça aurait peut-être été plus malin, je sais pas. Ouais, plus de genre là, mais le problème, est-ce que je vais pouvoir remonter après? Ça m'a l'air mal parti en tout cas. Non, je pourrais pas remonter, ça c'est sûr. C'est pas grave, on va réessayer de passer par là.
Si je branche, enfin si je mets ça d'abord, là je pourrais remonter normalement. Ouais, il n'y aura pas besoin de retourner par la boîte si je me trompe pas. Voilà. Et du coup, vu que je peux me balancer là, voilà, ça c'est bon. Ça on va plutôt, hop, faire un nœud là. Ça va nous servir de trampoline. Voilà, et ça on le pousse. Bon, maintenant, faut pas qu'on chie dans la colle, comme dirait l'autre. Voilà, on va bien attendre le bon timing, c'est-à-dire maintenant. Voilà. Voilà. Normalement, ça m'a l'air pas trop mal. Ok, petit checkpoint. C'est bon, on est bien parti, on est bien parti. Sacrément la merde ici en tout cas. Oh, il y a une pièce. Oh, il y a un souvenir aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est la police? C'est quoi encore? Ouais, ça m'a tout l'air d'être la police. Hein. Hop. Troisième pièce. C'est bien, on a trouvé pas mal de pièces dans ce niveau. D'accord, alors qu'est-ce qu'on va devoir faire? Tirer ça peut-être? Ça me semble être une bonne idée. Enfin, ça me semblait être une bonne idée. Apparemment, c'est pas ça. Ah, regardez. Je pense avoir trouvé. Hop, plus un petit nœud ici. Et le casque, on va pouvoir s'en servir pour le pousser. Voilà, comme ça. Ok. Et ensuite, on va peut-être en avoir encore besoin. Donc je vais enlever celui-ci pour pas manquer de ficelle. Je pense que ça m'a l'air pas mal comme ça. Ok. Non, pas maintenant, attends. Ouais bon, tant pis. On va descendre prudemment. Ouais, regardez, ouais, il nous faut le casque. Ça c'est sûr et certain, il nous le faut. Ok. Comme ça, normalement, c'est bon, on va pouvoir le faire monter direct. Voilà, j'ai dit, c'est bon. Ok. Hop, voilà, merci le casque. On peut monter tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Que je comprenne un peu le mécanisme. Ça va être encore une partie d'escalade tout ça, dites-moi. Ouais, là, de toute façon, je pourrais pas, ça c'est sûr. Alors, ça me semble assez clair. Il va falloir que je fasse des nœuds ici. Même pas. Ah non, regardez. D'accord, une fois que j'ai tiré ça, on va essayer de le pousser encore un petit peu plus si possible. J'ai bien fait de faire les nœuds quand même. Voilà. Et ensuite, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose dans la pelleteuse? Je sais pas, je pense pas. On va déjà récupérer ça, voilà. Là on est bien là. Il y a quelque chose de ce côté ou pas? Non. D'accord. Alors. Peut-être en se balançant tout simplement. J'ai dit voilà. Allez, balance-toi. Là t'es assez haut normalement. Ok. Là tu m'as l'air pas trop mal hein. Ouais. Ok, ça c'est bon. Ouais. D'accord, ça nous a libéré le passage. Bon, au moins, c'est bon. On sait par où passer, c'est déjà ça. Est-ce que je peux ressortir par là? Je pense pas, hein. Non, je pense pas que je puisse.
Va falloir refaire tout le tour. J'espère que j'aurai assez de ficelles. Hein. Y a pas de raison. C'est vrai que là, je... Ouais. Je sais pas si je vais avoir assez. Hein. On va déjà enlever ça. Et enlever ça. On va peut-être en gagner un petit peu comme ça. Alors, merci la pelleteuse pour nous avoir ouvert un chemin. En tout cas, c'est, ouais, c'est vraiment pourri par là. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Des détritus encore? Mais what? C'est une porcherie ici. Attendez, j'ai dû louper un checkpoint parce que là, je peux pas avancer plus. Ah, je suis sûr, c'est le coup du tractopelle. J'ai pas assez de ficelle. C'est obligé, c'est ça. Et comment je fais, moi? Eh, mais j'aimerais bien remonter, mais comment je fais? Peut-être comme ça, je sais pas. Ouais, je vais peut-être pouvoir remonter en escaladant, tout simplement. En enlevant le nœud ici aussi, hein. Je pense que ça m'a l'air plutôt intelligent. Oui, en fait, j'aurais dû faire ça depuis le début, d'accord. Moi, il a logique, hein, ça fait 36. Environ. Hop là, j'ai manqué de m'éclater la tronche. Bon, l'épisode est déjà à pas loin de 30 minutes, mais vous aurez eu des petites ellipses, donc forcément ça fera moins. J'aimerais bien finir le niveau quand même, là. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aimerais bien. D'ailleurs, je crois que c'est la fin du niveau, justement. Ça tombe bien. Fallait que je l'ouvre pour que ça soit vrai. D'accord. T'es notre ami ou pas, toi? Non, d'accord, c'est pas tout à fait la fin alors. Ok, il nous a volé notre morceau de tissu. Décidément. Ah, c'est quand même la fin, d'accord. Je suppose que le dernier niveau, ça va consister à récupérer cette fameuse pièce manquante. D'accord. Ok, bah ça aurait été pas mal pollué en tout cas ici. Hein. Mais quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour lutter contre cette pollution. Bon, c'est aussi un petit peu un petit prétexte pour me dire... J'ai du mal à sortir le mot prétexte. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Donc je disais, c'est aussi un petit prétexte pour dire que vous avez aimé ma vidéo et que vous me soutenez. Mais voilà, ça sert aussi contre la pollution. Il y a plein de petits panneaux juste à gauche. Donc voilà, anti-pollution, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo et abonnez-vous. Voilà, c'est important. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et amusez-vous bien. Allez, bye.